Salut YouTube, j'espère que tu vas bien et que tu as passé une excellente journée. Alors, pour ma part, aujourd'hui, c'est simplement une journée de entière récupération, mais je vais faire quelques assouplissements pour essayer d'être un peu moins raide. Ça va surtout me servir pour la natation et aussi pour la course à pied, car c'est vraiment important, mais j'en fais vraiment pas assez. Donc, je vais m'attaquer à ça et en même temps, j'en profiterai pour répondre à une question qu'on m'a posée sur l'une de mes anciennes vidéos. C'est, est-ce que je m'entraîne souvent ? Combien d'heures et combien d'entraînements je fais par semaine. Donc voilà, je vais simplement me livrer un peu plus à vous en termes d'heures d'entraînement, de charge d'entraînement, mais il faut savoir que je suis suivi par un coach et c'est vraiment ça l'important. Donc je peux modifier mes entraînements dans le cas où ça ne va pas, mais j'y reviens un peu plus tard. D'abord séance d'assouplissement et après je réponds à vos questions. C'est parti. Bon allez, je vais vous répondre à la question que l'on m'a posée dans un des commentaires sur une de mes vidéos. Tout simplement, le nombre d'heures d'entraînement et le nombre d'entraînements que je faisais par semaine. Il y a un article qui y est dédié sur toofortree.be, donc je vous mettrai le lien en description, donc n'hésitez pas à aller le voir et à me dire ce que vous en pensez. Je vous mettrai le lien aussi, ce travail ici et Garmin là. Pour ce qui est du nombre d'heures d'entraînement et le nombre d'entraînements par semaine, il faut savoir que tout ça est d'abord suivi par un coach, c'est hyper important. Il y a un moment où il faut être suivi par un coach si on veut faire des résultats, mais si on veut aussi progresser, le coach est hyper important. Donc en ce qui me concerne, je fais 3 entraînements de natation par semaine, 3 entraînements vélo, entre 3 et 4 à pied évidemment, une séance de musculation, élastique, essuie-ball, gainage, donc ça c'est un tout, et une séance d'assouplissement. Souvent la séance d'assouplissement, si j'ai pas eu le temps de la faire de la semaine, je la remets dans mon jour off, ça me fait énormément de bien. J'en fais pas assez malheureusement. Ça c'était pour les petits entraînements. En termes de kilomètres et d'heures, j'avoisine les 9500 km l'année passée, plus ou moins. J'ai fait ça en 570 heures je pense. Ça donne une belle moyenne, ça donne à peu près entre 200 et 250 km par semaine. Je tourne entre 10 et 15 heures de sport par semaine. Alors pour une personne moyenne lambda, c'est sûr que c'est un peu plus. C'est énorme pour les personnes qui font pas de sport. Donc c'est vrai que ça peut paraître beaucoup, 15 heures. Je pense que je suis au-dessus de la moyenne. Ça je veux bien l'accorder, c'est que je suis au-dessus de la moyenne des personnes qui font du sport. Ici, il faut savoir qu'on est en période hivernale. Donc évidemment, la météo ne s'y prête pas à vouloir sortir un peu plus que l'entraînement qui est prédit. J'essaye de respecter au mieux les entraînements qu'on me donne, que le coach me donne. Donc ça, c'est vraiment important, c'est ce que je vous disais dans une de mes vidéos précédentes, c'est que c'est important pour moi de suivre ce qu'on me donnait, mais que voilà, par exemple le dimanche, j'aime bien de sortir un petit peu plus à vélo. C'est là où souvent je craque, je fais un peu plus que ce qu'on me demande, et ça engendre assez vite un surplus d'heures, mais pas un surplus de fatigue. Si on prend le dimanche passé, j'ai fait 150 km en 5 heures sur une semaine de 15 heures, donc ça fait un tiers de ma semaine qui est passé sur mon vélo, mais qui est surtout passé le dimanche. Donc on ne peut pas dire que je fasse énormément d'heures de sport par semaine, c'est juste que le dimanche j'en fais un peu plus que ce qu'il me faudrait, et donc ça augmente le quota de. Pour ce qui est des heures d'entraînement, bah oui, c'est entre 10 et 15 heures suivant les périodes. Le nombre d'entraînements peut varier suivant les saisons, mais globalement c'est plus ou moins ça. Maintenant il faut savoir pourquoi je fais autant d'heures de sport, c'est parce que je vais au championnat du monde 2018 en Afrique du Sud pour l'Ironman 70.3, et j'ai vraiment envie de performer, c'est vraiment mon but de performer, donc c'est pour ça que je peux me permettre de mettre autant d'heures de sport par semaine. J'espère que j'ai répondu à la question demandée. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça, j'y répondrai avec plaisir, que ce soit en vidéo ou par écrit. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et surtout à vous abonner à la chaîne. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo, c'était Julien, ciao ciao.